Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kitty, la Miss à 9 ans. Et puis pour l'occasion, finalement pas de canimarche, pas de compétition aujourd'hui avec Lexi, mais on va aller se balader en forêt en espérant pas être emmerdé par les chasseurs. Donc là il faut choisir leur tenue pour sortir. Donc c'est bon, tout le monde est chargé, on a mis les harnais teeny weeny. Donc c'est pas les meilleurs, ça fait un peu jusqu'à 9, mais ils vont pas être trop longtemps à être attachés. Donc chacun le sien, on a pris les lumières pour pouvoir être éclairé si jamais on entend des problèmes de chasseurs, pour avoir des lumières pour dire que on n'est pas des animaux sauvages. Donc voilà, on est parti direction la forêt. Bon, on est bien arrivé, comme promis vous m'avez demandé de filmer la balade. Mais vous comprenez bien que je ne suis qu'une fille avec deux mains, j'ai quatre chiens, donc le seul moyen que j'ai pour vous filmer le truc c'est que on filmera à l'arrache avec ça. Parce que bon, la priorité de mes chiens prime avant le... avant la qualité d'une vidéo. Je vais pas en perdre un qui se fasse manger, ou voilà, il faut que je sois toujours aux aguets, donc je peux pas me permettre. Surtout qu'aujourd'hui on est dimanche, et le dimanche il y a énormément de gens qui sortent. Déjà là-bas en face j'ai vu qu'il y avait un groupe de 5 chiens d'une grande balade, sauf que moi moi j'ai le même nombre de chiens mais directement avec juste moi. Donc voilà, par contre je vais mettre une veste, mais il me fait quand même assez chaud. Donc voilà, il faut que je mette une veste, un sac de transport, parce que si jamais Kitty ne peut plus marcher, il faut que je puisse la mettre en sac. Et puis mon sac à dos avec un gilet jaune et les pulls des filles si jamais il y a besoin. Et j'ai les sacs à caca parce que je sens que dès le début j'ai déjà m'arrêté pour ça. Donc voilà, je vais voir, ça va être super décousu au niveau du film, je suis désolée. Mais voilà, il faut que nous on profite parce que c'est pas YouTube d'abord, c'est les chiens d'abord. We'll be right back.
balade est terminée, donc il y a 3D doudou ici et Kitty comme d'habitude elle est devant. Donc je sais pas au total combien on a mis, mais je crois qu'on n'est pas loin des 3 heures de marche. Kitty a pas marché beaucoup parce que forcément avec son âge et ses pattes, elle a pas pu marcher des masses. Amaury a été un peu lâché, mais il y avait pas mal de monde. D'habitude, dans la partie que j'ai découvert, en fait, d'habitude, il n'y avait personne, mais là, le nombre de chiens qu'il y avait. On a même croisé berger australien, border collie, berger allemand, même un je ne sais quoi qui avait une tête de Shiba, mais qui avait une taille d'Akita. Mais je suppose que c'était un Akita qui s'appelait Naruto, dans l'originalité. Amaury a voulu se fighter avec lui, comme c'est tendu avec les Akita, on évite. Hein. Mais voilà, d'ailleurs j'espère que ça se passera bien avec Amaury pour la balade des gueules d'ange, parce que quand il est avec les filles, il est un peu tendax, donc on va voir comment ça va se passer. Et donc voilà, en tout cas, si jamais vous êtes sur la chaîne de Emi Chichi, ici vous aurez vu que les images concernant Kitty, puisque c'est la vidéo de son anniversaire. Et si vous êtes sur, donc si jamais vous voulez, si vous êtes sur la chaîne de Lexi, vous avez toute la version pour les chiens. Donc allez sur la bonne chaîne, il y aura deux versions vite différentes de ce vlog. Donc voilà. Donc là, on va refaire les 20 minutes de route et on va rentrer. Je vais vous donner les cadeaux d'anniversaire à Kitty. Et puis voilà. En tout cas, j'ai pas d'allure, mais bon. Hein, on est là pour balader les chiens, pas pour faire un défilé de mode. Je suis même pas maquillée. Donc voilà, je suis bien rentrée. Ils sont un peu excités parce que leur friandise, mais je leur ai pas encore donné. Donc on va s'occuper des cadeaux de Miss Kiki. Tiens, Kiki! Donc pour rappel, la Miss a aujourd'hui pas moins de 9 ans. Ça commence à se voir sur sa tête. Mais tu vas te calmer, toi. C'est pas toi, t'es le mois prochain ton anniversaire. Donc elle commence à avoir la petite truffinette toute blanche, donc on va offrir ses petits cadeaux, donc elle a 9 ans. Donc à l'habitude, l'éternel paquet, je ne fais plus de papier cadeau, hein, parce que le zéro déchet c'est mieux, donc je lui mets tout là-dedans. Sans eux, ça n'a aucun intérêt que ce soit fermé ou pas. Donc, premier, je lui ai acheté un petit collier bandana miniature comme ça, rose, qui lui ira bien pour les prochaines sorties, parce qu'elle, comme de toute façon, je l'attache jamais en laisse ou quoi que ce soit, bah... Hop. Donc j'avais eu celui-là sur... AliExpress, je crois, ou maintenant Amazon. Donc voilà, avec son petit bandana qui est juste la bonne taille pour être, pour pas faire trop bizarre sur elle. En plus. Donc ça, c'est le premier cadeau que je lui ai fait. Parce... Donc voilà, j'ai rechargé ma batterie, sauf que celle du vlog est déjà utilisée. Celle hier, je m'en suis servi pour filmer sur les cochonnes. Et la deuxième a mal chargé, donc là, j'en suis avec une autre. J'espère qu'elle est pas trop mal. Donc désolé si je fais ça un peu en speed. Et donc on disait Kitty avec son petit collier. Après je lui ai pris, donc elle a pas besoin de grand chose en fait, donc je lui ai repris un petit plaid avec des étoiles qui est assez sympa comme ça, ton papy Kiki, qui est hyper doux, hyper sympa pour mettre dans sa cage. Donc voilà pour ça. Oui, c'est tout doux ça. Ça fait super longtemps que... Aïe, ça fait super longtemps que je voulais lui en prendre un et que j'avais pas encore eu l'occasion. Donc oui, c'est une petite serviette de bain. Donc c'est un peu ridicule, mais des fois j'ai pas le temps de tous les sécher, donc en fait l'avantage c'est que hop, je trouve le bouton. Donc vous mettez la petite capuche, comme ça Toutou il sèche, et puis c'est attaché sur le devant, donc ça ne tombe pas pendant qu'il est en train de se balader. Donc voilà ma petite Miss. Donc forcément c'est du rose, parce que Kitty j'ai toujours mis du rose, mais c'est pas ma couleur fétiche. Mais ça a été comme ça pendant une époque. Donc voilà pour la petite tenue de bain. Donc il faudrait que je leur en prenne un chacun, parce que des fois c'est pas pratique pour qui. Le temps qu'il se sèche, ils m'en foutent partout. Et le dernier truc, puisque forcément on fait pas un anniversaire sans une belle friandise, et celle-là ne sera que pour elle. Les autres, je vais leur donner autre chose juste après. Donc ce sont, comme d'habitude, je prends les premières qui me coûtent pas très cher chez Maxiso. Vous voyez, elle est très intéressée. Donc ce sont... Ça, c'était mon pull que tu viens de choper, Kitty. Elle vient de me pincer le bras. Quand je vous dis que c'est une princesse. Donc celle-ci, c'est donc au poulet, il y a 10 grammes au total. À vos places, c'est pas pour vous ça. Soit elle va le prendre, elle va aller se cacher, donc je ferai les photos plus tard du compte rendu. De ce que j'y ai offert. Tiens. Laissez-la! Amaury, tu la laisses. Donc voilà, elle est partie se cacher dans sa cabane comme d'habitude pour manger tranquillement. Amaury, tu laisses. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo anniversaire de Kitty vous aura plu. Si jamais j'ai des petits messages, petites captures d'écran, je ferai soit un montage pour le blog, soit... Vous aurez toutes les petites captures d'écran à la fin et je vous mettrai aussi quelques photos. Et sinon, tout ce que vous voulez voir maintenant, ce sera sur le blog. Donc là, je vais vite arrêter parce que sinon, ça va être le bazar. Il va y avoir des bagarres entre les loups parce qu'ils veulent vite leur friandise. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !